Bonjour à tous, troisième jour déjà. On a fait 10% du travail. Bon, allez, on n'a pas commencé, on ne peut pas dire qu'on l'a fini. Aujourd'hui, un tabata, 4 minutes de travail, 20 secondes d'exercice, 10 secondes de repos et un seul mouvement. Ce mouvement, vous allez le détester, ce sont les pompes. On va faire 20 secondes de pompes pendant 4 minutes, 8 fois. Placez-vous bien en position. Vous gérez votre écartement, si vous êtes plus à l'aise sur les triceps ou sur les pecs. L'essentiel, c'est de faire les mêmes pendant 4 minutes. Je vous propose d'enclencher le timer et de démarrer tout de suite. On ne va pas épiloguer sur des pompes. En place, écartement, largeur des épaules et descendez. Ni trop haut, ni trop bas. Prenez 10 secondes de repos. Et on y retourne. N'allez ni trop vite ni trop lentement. L'essentiel, c'est de maintenir pendant 4 minutes la pression. Ok, relâchez 10 secondes. On y retourne. Allez, on reprend 10 secondes de repos. On y retourne. Ok. Quand ça va devenir trop dur, n'hésitez pas à poser vos genoux pour pouvoir continuer l'exercice. L'intérêt du Tabata, c'est de pouvoir brûler en l'espace de 4 minutes l'équivalent de 35 minutes d'exercice. Allez. On y retourne. Posez si c'est trop dur, mais surtout continuez. En place, on y retourne. Allez. Allez, il nous reste un dernier round. C'est parti. Sur les genoux si besoin pour finir, allez. Ok. Voilà. 4 minutes de Tabata sur une pompe extrêmement douloureuse. C'est tout pour aujourd'hui.
Mini pause au milieu de la semaine avant de rattaquer demain sur 12 minutes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. I can feel